Bonjour les amis. Oui, comment ça va bien? Salut, c'est le Black Devil. Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. C'est Skeleton Duck en direct de la radio de la Bricarande. Et ils ont enfin trouvé un mug à la taille de mes mains. Puisque je c'est le seul top. Et bienvenue chers résidents de la Brie. Allez, on va passer dans l'atelier de Day of the Geek grâce à ma place. Je suis Manéric, le chat génétiquement modifié de la Brie 42. Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous entendez bien aussi le son de ma voix. C'est plus simple d'y aller en Eurostar. Kiki. Kiki. Est-ce que Skeleton tu l'as? Oui, comme vous voulez. Moi, je pensais à un dé de 10, par exemple. À qui donnez-vous le point? Est-ce qu'on le donne au rouge ou au bleu? Ouais, Coco a été dit avant. Non, mais c'est... ouais, voilà. La question, c'est est-ce que Coco a été dit avant que leur Kiki? Oui. Attention. Vu que Bob est le seul à avoir voté pour moi, bah du coup c'est lui qui gagne automatiquement. Chez vous, c'est incroyable, c'est un retour de bâton de justice de ouf. Lequel de ces livres n'a pas réellement été publié? A. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. B. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Alors mon cher maître Enfoiros, avons-nous une liste de noms s'il vous plaît? C'est ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire à Vancouver. ou D, le gratin de courgettes ne faisait pas partie du deal. Allez, on est parti. Alors, à quoi sert un crayon? Explosion de cœur nucléaire.